Salut à tous, c'est Playfrit et on se retrouve pour le deuxième épisode de, je sais même pas comment je vais l'appeler, je vais l'appeler le cauchemar des... La map cauchemar des youtubeurs. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Et vous avez accès à la salle 2 maintenant, voilà. Alors, on a Frigiel, on a Guz, Guz, pardon, Guz. Je me demande bien que ça pourrait être lui. Shork et Grugal. Ah tiens, bah, ils ont mis leur cauchemar à eux. Et Super Brioche. Ah, Super Brioche, c'est quoi? C'est de se faire manger? Non, c'était nul, c'était... Non, blague de merde, ok, non, mais ça, je vais couper au montage. Ou pas, non, je vais laisser. Au pire, si un jour il tombe sur ma vidéo, bah il est une traître de connard, ou je sais pas. Bon, oui, je dis connard dans les vidéos, j'en ai rien à foutre, hein. Je dis rien à foutre aussi, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Et si les parents sont pas contents, c'est le même. Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Oui, j'allais écrire quelque chose. Mais je sais plus combien. Non, ça rien, laissez tomber, vous allez pas comprendre. Mais bon. Alors. Bon, on va faire Super Brioche. Non, on va faire les. Bon. Enfin, Frigel. Non, Gus. Gus, ça me. Ça, voilà. Mais viens dans le cauchemar de Gus. Fit Porto. Bah oui, d'accord. Ah, ok. Revenir à la sélection de cauchemar. Oh là. D'accord. C'est. Oh, on voit les commandes blocs. Nice. Touche la langue de Porto pour gagner. Tu dois tirer tout en sautant sur les blocs de laine. Ah ok, merde. Ah ok, mais non, mais... Oh ouais, non, ça va être difficile, ça. Ah bah, je suis déjà une merde à l'arc, alors... Oh, presque. Ok. On dirait que Porto n'a plus faim. Bravo, tu as ri. Ok. Ok. Je saute dans le vide ou pas? C'était si facile que ça? Non, il y a une blague. Oh, trop cool, c'est les niveaux et les salles vues de l'extérieur. J'aime bien. C'est n'importe quoi. Ah ouais, les mecs. Non, sérieux, quoi. Ah, j'adore. Très le... sautez une fois tout le tralala est dans votre coffre du néant. Une fois tout le tralala est dans le coffre du néant. Parce qu'il faut mettre tout le tralala dans le coffre du néant. Je suppose qu'il parle de steak aussi. Très le fail. Ah bah non, ok. Y a pas de coffre du néant? Ah si, ici. Ok. Bah non, en fait, je sais pas pourquoi, je croyais qu'on allait mourir. Alors, gueuse. Gueuse, ici. Voilà. Salle suivante. Voilà. Bon, bah, c'était pas trop dur, hein, ça, encore. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Frigiel, bon, on va essayer. Alors, mon ami Fluffy, ah! Avec son... Je connais. C'est dédoublé et veut me tuer. Je dois trouver le bouton qui lui rendra son état normal. Donc, en gros, c'est un fit bouton. En cas de mort, vous devrez revenir ici et frapper à nouveau le loup. Avant de lancer le niveau, frapper le loup. Vous devez trouver le bouton caché. C'est bizarre, ouais. Dans la map, tout en étant poursuivi par des Fluffy enragés. Appuyez sur le bouton avant de faire de vous faire tuer. Appuyez que quand vous avez frappé le loup. Ah, frappé le loup. Le whistle. Dégage. Tu passeras pas. Oula. Oula. Ah d'accord. Ok. Ok. Il faut trouver le bouton là-dedans. Il doit être contre un mur. Ah non, on n'en a pas 8. Ok. Alors, je vais regarder sous le sol. Euh...
Non, non. Ars. D'accord. Zut. Ok, on recommence. Et si je tape pas, c'est plus facile, non? Peut-être. Peut-être, c'est... Oula. Il a fait quelque part de facile. Sur un arbre? Mais c'est un bouton en quoi? En pierre? En cobble? On n'a pas le droit de casser, hein. Le bouton, on a bien quelque part. J'essaie d'éviter les fluffy en même temps, mais... Alors, sur le sol, il n'y est pas. Sur le mur. Je vais appuyer partout. Je vais maintenir mon doigt appuyé. Oh là là. Alors je tourne en rond. Non, non. Don't touch me. Il est pas sous le plafond. Non, ce serait pas, ce serait tellement pas possible. Oh, au-dessus des arbres. Possible. Non. Non, non, mais cours. Ah non, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il est ce bouton? Bon, cet arbre-là, je l'ai fait. Celui-ci. Non. Certains, c'est tout bête, hein. Ok, j'ai trouvé le bouton. Il y a une trappe là, en fait. Arnaque! Arnaque! Ah, zut. Mais je sais, mais non, je sais où ce qu'il est. Frigiel. Ah, enfin je pense qu'il est là. Ou en fait ça rien. Est-ce qu'il attrape par là, je pense. Voilà. Ah. D'accord, super. Hop, merci. Voilà, ok, en fait il y avait une trappe. Mais je ne savais pas. Hop. Deuxième levier. C'est pas trop difficile encore. On va essayer les deux là. Alors, non, pas encore des sauts pitchés. Bienvenue dans le cauchemar de Xor, les créateurs de cette map, je savais. Les gens qui vinent la lave et les redstone. Les gens qui vinent la lave et les redstone. Oula. Uniquement si vous êtes bloqué. Ah, uniquement si vous êtes bloqué. Retour à la sélection de cauchemar. Je le sens pas ce machin là. Checkpoint. La lave. Jean Kevin. Et il y avait quoi d'autre? C'est la lave et la redstone. Non mais les gens Kevin. Ok. Ok. La lave et la redstone. Je pense que je vais devoir sauter sur la bûche. C'est ça spawn de façon bizarre, hein. Nya, 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 crève pas. Ratine. Non, l'autre côté. Ah, c'est pas possible. Non, mais je suis quand même tombé dedans. Non, c'est pas sérieux. Oh, ça va être. Je pense que ça va être hard. C'est à la fois du saut et à la fois de. Non, mais non, bah là j'ai. Non, mais c'est exagéré là par contre. Non, mais j'ai pas réussi à sauter sur le bloc de redstone. Non. Je pense qu'il faut sauter sur le bloc de redstone. Non, mais là je suis fait, là ça va pas. Oh là là, je le sens pas celui-là. On va faire celui-là tout de suite, on va retourner à la série de cauchemar. On va essayer l'autre. On va essayer Super Brioche.
Alors, je dois faire quelque chose. Alors, un chocolat a contaminé une brioche. C'est pas sympa. Je dois faire quelque chose. D'accord. Alors, chaque bouton nettoie une brioche. Trouve le bouton correspondant à celle contaminée par le chocolat. Et comment tu veux savoir? D'accord. Quoi, je devrais appuyer sur tous les boutons? Quand même pas. Bon, bah j'appuie sur tous les boutons. Ah là là. Ah, bravo, tu as sauvé les... D'accord. Je pense que ça, au niveau compliqué, on peut pas dire ça, hein. Ah non, 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 c'est trop facile là, arrête. Ah ah ah! Les mecs, ils sont pas sérieux. Ah bah j'ai trouvé le bouton. Ils ont refait le bouton pour sortir n'importe quoi. D'accord, super brioche. Ok, bon bah il reste plus que les deux là. Bon. Allez, retourne. Pouah, j'aime pas. J'aime pas ces machins là. Non mais non, il est parti quand je suis allé dessus. Non, je voulais pas. Vas-y, sur le côté redstone. J'ai pas le temps, la lave c'est trop lent. En fait, c'est chiant de sortir de la lave. Non, mais pourquoi je saute au-dessus? Il faut que j'arrête de sauter comme ça. Il faut que je saute doucement. Allez, il faut aller doucement. On y va doucement. D'accord. Bon, je pense que je vais mourir beaucoup de fois dans cette map-ci. Pourquoi j'ai sauté en plein milieu des bûches, moi? Non, mais je suis pas sérieux, mec. Voilà. Je sais pas, je saute en plein milieu des bûches. Je comprends pas pourquoi. Alors, on va se concentrer. Quand elle despawn, tu sautes. Non mais je vais pas faire le coup 100 000 fois hein. Faut arrêter là hein. Allez, sur le bloc de redstone. Oh, c'est pas possible ça. Si j'avais une potion de speed, je pense que je pourrais aller jusque là. Ok, non mais j'ai sauté quand le bloc il despawn en fait. Donc il faut vraiment, quand le bloc a despawné, il faut sauter dessus. Quand ça despawn. Non mais je sais pas. Ok. On va dire que j'ai réussi. Fuck. Oui, je triche, j'en ai marre. Voilà. Ah, j'étais là. Je sais pas pourquoi j'ai sauté au-dessus, donc voilà. Hop, game mode 0. Attention à ne pas te prendre la lave. Très drôle. Alors, calculons. Il faut que quand celle-là despawn, ça respawn là. C'est impossible. J'en ai marre. Ah, bon. Ouais, ok, non, mais là j'ai pas sauté du tout. Heureusement qu'on perd pas son inventaire. Hein. Non, mais laisse tomber. Ok. Est-ce que je vais réussir un jour? D'accord, j'ai touché directement par la lave. Ouais. Très le chelou. Oui, j'ai un problème avec mon clavier, effectivement. Tu sautes maintenant, c'est bon. Ok, désolé, j'avais une partie de mon clavier qui était pas débranchée, qui était débranchée. Oui, c'est un clavier bizarre. Un clavier bizarre. Faut pas chercher à comprendre. Non mais il faut pas. Ok. On va faire le game mode. Ouais, non. On va réessayer jusqu'au moment où on gagne. Mais je vais quand même mettre au milieu. Je vais faire spawn des blocs. Voilà. Et ouais. Comment bien tricher. Oh. Voilà. Oh, j'aime bien tricher. Non, c'est une blague, hein, mais bon. Ça devient chiant donc.
Ah, j'ai réussi à avoir le bloc. Aïe, ça pique. Non, mais je vais crever. Je suis mort. Exactement. Ah, il était carbonisé par le feu, d'accord. Bon, écoutez, on va juste voir ce qu'il y a. Donc, il y a ça. Aide. Pour déchiffrer les messages, repasse-les très vite dans ta tête. Attention, tu n'as le droit qu'à un seul essai. La réponse est un nom en 5 lettres. La réponse n'est pas Porto et est un anglais américain. Pense à la majuscule, puisque tu n'as le droit qu'à un seul essai. Si tu ne trouves pas la réponse, tu peux aller la trouver. De l'énigme dans le dossier Solus de la map fournie. Ok. Donc, apparemment, j'ai trouvé. Ok. Papier à renommer. XP, indication. Alors, vaut à Silet Nigme. Nigme. Voici l'énigme. Oh là, d'accord. Ouh. Attends. Quel est le rond le nom du personnage? Quel est le nom du personnage? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Qui a le même skin que LED. Attends, LED version craquée. LED version craquée. Les versions craquées, d'accord. Ah, nice. Ok. Ah, bah, XP. Ah, non, je suis en game mode. Oh, ouais, nice. Vas-y, donne-moi l'XP. Indication. Prenez le papier et renommez-le en réponse. Oui, mais j'ai pas de. Ah, c'est une autre game derrière. Ok, alors c'est Steve. Il est pas mal cette épreuve. Je trouve ça original. Mettez le papier ici. Voilà. Bravo, tu as fini le niveau. Oui, bon. Hein. On voit que là, le triche, hein. Ah ouais, nice, franchement. Hey, j'avais jamais vu cette épreuve là. Bon, des sous avec des machins qui s'en va et qui revient. Bon. Et ça repart et ça. Non, pardon. Ah non, ça j'avais déjà vu, mais Ah non, ça par contre, papier comme ça avec une épreuve où c'est écrit comment c'est écrit? En gamin? En enfant? En enfant, évidemment. Bon, du coup, je pense que ça va être la fin de cet épisode. Rendez-vous au prochain épisode pour la salle 3. Bye bye!